Bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, c'est un juge qui est obligé à les oreilles à l'administration Tremblant sous discrimination à l'affaire à l'égard des immigrants, notamment les gens qui ont un green card holder. En fait, qui j'en causé à y. Depuis l'année 2007, l'administration Tremblant a décidé de changer la procédure dans la façon que vous faites recrutement permanent résident dans l'armée. Que ce soit vous parlez comme militaire ou bien que vous parlez comme un mécanicien ou technicien quelconque, ils ont décidé de mettre, en plus de fingerprint, processus normal on fait, ils ont décidé de mettre une série d'investigations, background, qui ont été spécialement pour permanent résident, qui vient fait que tout permanent résident qui est normalement éligible, qui est non en liste pour entrer dans l'armée, vient sous wait. Ça veut dire qu'il y a plusieurs jours. Et presque un an à ton pour être rentré dans l'armée. Alors que généralement, depuis où fin sous liste, c'est à peu près 3 mois comme ça, qui t'a supposé faire maximum pour que vous commencez à entrer dans le training normalement. C'est à qui te vient symboliser une frustration pour permanent résident, green card holder, des séries de monde qui légal, qui justement voulait rendre service à pays. Et. Donc, ça te comme frustration, eh bien, te gen en peine dans groupe Mounsayo, te décidé mener administration Tremblant la justice. Sous causer ça, sous causer waiting line, un bon temps que Green Card Holder est obligé à faire avant pour yoter réussi commencer entraînement. Eh bien, Federal Court, qui trouvait lui, en parlant de juge John Tigard, eh bien, qui trouvait en Californie, lui fait une injonction côté que lui mandait l'administration à camper sous causé côté que yo bloqué, on dit bloqué Green Card Holder pour entrer dans l'armée, côté que yo dit qu'on bonne investigation, une bonne bagage supplémentaire que US citizen yo normalement pas gagné pour yo passer. OK? Et donc, il dit que le département de défense, d'après le juge, là, pas aucune justification rationnelle contre changement de politique. Ça, il n'y a pas aucune évidence qui montrait que permanent résident, qui sous liste normalement pour commencer le training, que vous posez un risque en plus. Il dit que US citizen, yo, son façon que vous dites, pour qui ça, que vous demandez des investigations, des backgrounds en plus pour permanent résident et non pour US citizen. Donc, pas qu'une rationalité des de bagages, ça, c'est ça, juge l'a fait qu'on est. Donc, on voit encore décision ça, c'est on l'autre soufflette mara ça pour administration, non, politique anti-immigrant que le gagne. Et donc, décision bien dit, pas qu'une justification pour y avoir discrimination contre des individus qui voulaient mettre vie en danger, ça, ils ont rentré dans l'armée pour servir contre pays. Yo. Ok, par exemple, soit supposé qu'il y a une discrimination sous peut-être simplement statut immigrant ou gagné. Okay? Donc, toujours est-il une organisation qui t'a aidé dans la bataille. Ça, c'est ACLU. N'oubliez que ACLU a lié toujours dans plusieurs batailles, chaque fois pour la rappeler, administration Trump. Tremblant à l'ordre. Donc, pour un pile dans permanent résidence, qui tape tant, qui tape souffrir pour commencer service, il fait comprendre ça, c'est une grande victoire pour eux, c'est une grande étape pour assurer que l'offre de permanent résident qui sous liste pour entrer dans l'armée, joue le même droit pour servir contre le pays, yo, même genre avec US national. Yo. Donc, n'a dit que politique, ça, changement, ça, il a commencé depuis octobre 2017. Côté département de défense, a décidé de changer, mettre fin, disons, avec pratique qui était traité permanent résident. Même gens avec US Citizen ont consulté depuis octobre 2007, ils ont décidé de changer. Li, okay? Et, alors que, normalement, dans le temps passé, permanent résident a commencé à servir dans le militaire aussitôt. Depuis que tu as un fin, tu as et satisfait qualification initiale entrée. OK? Et donc, donc ça t'avait dit que cette histoire pour faire plus d'investigations pour permanent résident, pas qu'un B, donc tout permanent résident capable justement
commencer à entrer dans l'armée. Mais dans la logique, pour comprendre l'histoire, ça, on doit dire quel est le bien fondé, qui s'est passé. Ça, pour comprendre, c'est que d'après la loi, l'entrée dans l'armée, après un an de service au Gata US Citizen, par contre, tu comprends ce qui s'est passé là. Vous faites un an au Gata US Citizen, on a des milliers de permanents résidents. Ça t'a dit qui ça? Pas bien que pour moun sa, yo, tant que US Citizen son problème, li, US Citizen veut dire qui ça? Ou vin gen même droit à tout le monde dans le pays. Et ça veut dire. Pas bien que yon nan problème, yo, c'est le fait que vous pensez que Jean-Baptiste la pralé là, tout le monde a pris US Citizen, mais bon, là, il a bien perdu pouvoir. En fait, c'est ça qui a passé. Pas bien que là, US Citizen n'est pas mince, il dire, vous capable de décider qui est-ce qui est pour président, qui est-ce qui est pour sénateur, qui est-ce qui est pour nan, on dit, nan, place stratégique, yo. Donc, lorsque les immigrants commencent à chaque jour plus, venir aux citoyens, qui fait que eux-mêmes, ils pas le dire, parce que ils ont une question de, en fait, monde qui gagne idéologie, administration, ça, ils ont une question de race qu'ils défendent là. Alors que, lors les États-Unis, c'est toujours un pays, côté qui gagne plusieurs cartes de monde, plusieurs, histoire pays, c'est comme ça lié. C'est des séries de monde sortis qui plusieurs côtés. En fait, c'est ça qui est toujours eu. Mais pour certains, ils ont refusé de comprendre ni comme ça. Donc, ça veut dire que, logique, tu as essayé de mettre backlog ça, empêcher moun ça. C'est logique. Côté que, eh bien, une façon plus rapide pour moun US citizen leur entrer dans l'armée. Après un an, on US citizen bien rapide. Donc, qui, so, chaque lundi, dit immigrant US citizen, son tête fait mal, dit presque hier pour monsieur dame ça. Okay? Alors que, changement a été fait depuis octobre 2017, là, avec le changement côté que pour dire. Pour permanent résident, font une bonne investigation pour yon ensemble de bagages. Et même au cas où il a pas même dit exactement combien de jours pour investigation ça va prendre. Te prend. C'est-à-dire que tu es un peu vague. OK? De toute façon que, mais, investigation, rien d'après un an et demi, 2 ans et demi, on l'a obtenu, l'investigation à prendre. OK? Donc voilà, tu as gagné normalement dans bataille ça, tu as gagné un Chinois et. Et avec yon lot, en fait, te gen yon Chinois avec yon lot, sorti en Europe, tous les deux c'était permanent résident, mais qui tap mené bataille à la justice pour que, justement, yon jwenn droit pour que yon entre dans l'armée sans que yon pas besoin d'entrer dans la question backlog pour y attendre. OK? Donc, voilà. Et c'est yon lot victoire contre politique anti-immigrant que l'administration sa mené. Fon dit tout. Pentagone, normalement, pas gen l'autre choix, li commencer, voyez tout le monde sa yo qui était dans le backlog là, on dit des milliers de green card, commencer voyez normalement dans training pour y observer. Et côté que vous mettez fin à politique ça, et qui demandait plus background pour permanent résident. Fon di pou an pil moun que Pentagone, en fait, des séries de moun qui parlent de parler en pile, dit même yo-même, bah, ça te commence un problème pour yo en matière d'effectif. Vous comprenez? Son politique qui a fait qui a commencé à affecter justement capacité opérationnelle, il y a un bon monde en backlog alors qu'il y a un besoin. Voilà, ça va dire que vous avez fini adhérer à elle, mais comme vous connaissez quelque part, il n'y a pas qu'à aller plus que sa tête, vous dit, vous comprenez, vous êtes obligé, chef, vous dit, vous êtes obligé de faire comme ça, mais il y a un problème pour vous en termes d'efficacité. Donc voilà, nous avons pour ton update sous. Justement, de décision ça que Tiga dans Federal Court Californien apprend, côté que le dit, yon l'autre fois encore, Trump, halte là, campé là, avec bagay ça, l'offre de permanent résident, tout, imaginez, de milliers de monde qui est là, dans l'armée, après, un an tout pour aller aux citizens, ça cap banek, ça a peut-être fait mal, mais il y a toujours une face avec la justice, il y a toujours un combat. Chaque fois que vous décidez de faire un bagage, notamment à clou, plusieurs autres personnes ont toujours traîné la justice. Okay? C'est même en tout, nous sommes des gens qui disent, bon, lui-même, il va jouer un cop, non, mais l'autre ministère, je vous garantis, s'il fait ça, après, la justice, c'est un bagage illégal. Parce que c'est le Parlement qui doit décider qui va aller cop, ou pas quand on est dans l'autre, n'importe ministère, ou couper cop, ou pour vous, pas le consommer. Donc voilà, c'était un update sur, justement, fédéral décision, ça, qui dit que permanent résident pas gain pour être en pile temps. Pour rentrer dans l'armée depuis mon envelé, toute bagarre a supposé faire rapide, rapide. Donc, portez-nous bien, vous êtes branchés, partagez, vidéo, commentez et puis like.